Salut YouTube, petit tuto aujourd'hui sur la partie 1, oh, à peine arrivé, je suis déjà en attaque. Petit tuto sur les batailles en deux parties, enfin vous, il n'y aura qu'une, mais je voulais vous montrer deux styles de bataille. Donc la première, je suis dans une bataille de pillage, on va dire, ce qui me permet d'avoir des ennemis. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer deux trois trucs avant d'attaquer la bataille, mais... On dirait que ça va pas être forcément possible. Remarque. Ouais, mon bouclier est pas top. Alors, il y a cette partie-là, énergie qui est importante, avec là ma barre qui remonte. Mon bouclier ici, qui est à 0, mais normalement qui est... ouais, non, je vais pas pouvoir vous montrer, je crois. Il m'agresse, hein. Ils sont agressants. Hop. Alors, en général, en tout cas, je commence avec un multimissile, ce qui permet tout de suite de dégommer un. Et on peut voir que je suis à la moitié de mon énergie. Donc je laisse remonter mon énergie tranquillement. Je m'attaque à un deuxième en mode je balance un missile et après je l'attaque au laser pour lui casser son bouclier. Voilà, il n'avait pas vraiment besoin de celui-là, j'avais déjà dû l'attaquer un peu. On va refaire sur un autre. Voilà, par exemple. Hop, je lui balance un missile. Oui. Celui-là non plus n'a pas de bouclier. Voilà, bon, je suis un peu plus tranquille. Donc, on peut voir ici que la barre de mon bouclier remonte et à partir du moment où elle va arriver à fond, ça va remonter ici. Alors, je voulais vous... Voilà. Et si on veut que ça augmente plus vite, eh ben, on augmente, bien sûr, cette partie-là, ce qui fait que ça augmente tout de suite plus vite. Là, j'ai un combattant qui arrive. Je m'en occupe en même temps. Alors, comme ma barre d'énergie est à fond, et bah du coup, j'en profite. Alors là, je suis en zoom, ce qui permet de les bloquer plus facilement. Et admettons, ils partent au loin comme ça. Et bah, j'augmente un peu ma vitesse ici, de façon à pouvoir le rattraper. Et au niveau du tir, si je mets une cadence de tir minime, ça soit plus sur la mitrailleuse. Voilà. Et si j'augmente ma cadence de tir, on voit bien la différence. Oui. Là, je suis à 70. Il va arriver. Hop. Donc, je lui balance un multimissile. En général, quand ma barre d'énergie est à fond, je commence toujours par un multimissile. Ce qui fait que ça suffit quasiment tout le temps à le zinguer. Par contre, s'il est trop loin, comme là actuellement, et ben du coup, le missile va pas toucher forcément, quoi. Voilà pour ça. Alors, comme mon bouclier est bas, ben, je repasse mon bouclier à fond. Dans le doute, je remets mes tirs en cadence rapide. Comme ça, mon bouclier va remonter assez rapidement. Et ça permet de... être toujours avec un bouclier à fond. Après, une fois que le bouclier est à fond, et ben hop, on diminue pour passer en vitesse pour pouvoir rattraper, admettons, les ennemis. On peut passer en mode éther comme j'appelle, mais là ils sont vraiment trop loin. Je sais même pas à combien. À 95, ouais, je pourrais presque. Si, je pourrais. Enfin, bref. Là, l'idée, c'est, je suis passé, non, c'est pas comme ça, j'ai basculé en mode raid afin de récupérer ce genre de ressources. Puisque du coup, pour récupérer facilement ce genre de ressources, on fait des raids, on pille le système solaire avec son armée. Et très rapidement, vous voyez là, c'est à l'heure actuelle, j'ai gagné ça de mon raid. Hop. Sachant qu'il me reste d'autres points jaunes. Ici, j'ai encore deux convois. Donc, soit on peut utiliser, comme là, je viens d'utiliser ce mode-là pour aller sur les autres convois. Ou alors, on appuie sur B. Et ça nous donne les autres emplacements de convois. Voilà. On va aller sur un futur. Normalement, il y aura des ennemis.
et comme ça je vous remonte la manip d'entrée de jeu. Alors ça, vous voyez, c'est des convois. Donc tout de suite, hop, je cible, je balance mon multimissile. Et en général, voilà, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Multimissile, c'est ici. Chaque véhicule a un peu sa capacité. Le 1, le cap, on va dire, c'est pour se rendre invisible. Et comme vous pouvez voir, il est vert. Et quand je repasse en visible, eh ben, il est blanc parce qu'il est en refroidissement. Donc on ne peut pas se recacher automatiquement. Hop. Après, là, je cible. Pas besoin de le zoomer pour le cibler comme ça. En général, juste le premier ciblage suffit. Alors, là, c'est des petits vaisseaux parce que rien qu'un missile, ça leur fait vraiment du mal. Ça leur casse tout le bouclier, quoi. Hop. Sinon, bah, c'est laser pour casser les boucliers. Comme vous pouvez voir ici, mon laser a chauffé. Donc dans ces cas-là, on change d'arme. Et une technique, alors je vous ferai un tuto, un de ces quatre, hein, sur les différentes armes. Enfin, de ces quatre à venir. Ah, mince, loupé. Mais là, sur l'arme que j'ai, on va dire la tourelle, et là, elle chauffe assez vite. Et du coup, ben, il faut y aller par à-coups, en fait. On n'est pas obligé, là, par exemple, je reste appuyé sur mon bouton. Ça chauffe. Alors que si je fais des petits à-coups, hop, bon, là, il n'y aura pas vraiment besoin. Et ben d'un coup, ça ne chauffe quasiment pas, selon les armes, bien sûr. Que là, et admettons, je vais rester tiré, je vais pas aller dans le soleil. Hop. Hop. Et ben très rapidement, ça redescend. On peut voir là sur la gauche. Alors qu'il y a des armes en tourelle ou en laser, hein, n'importe. Laser, c'est pareil. Ah bah oui, c'est parce que je suis sur le H. Hop. 2. Tac, tac, tac. Vous voyez mon laser qui monte et qui redescend. Et il y en a qui vont redescendre beaucoup moins vite que l'arme actuelle que j'ai. Voilà pour ça. Donc là, c'est un peu un double tuto puisque je vous explique aussi en rapport au raid comment récupérer les matières assez rapidement. Hop. Alors ici j'en ai. C'est intéressant. Tac, avec des combattants. Là, les combattants, je peux tous les tuer, c'est pas vraiment grave, mais il y en aura toujours qui vont apparaître. Là vraiment l'important c'est d'avoir les vaisseaux missiles. Et bon, ils sont trompés dans le nom, là on voit que c'est écrit leur, ils auraient fait mieux de mettre missile. Puisqu'en gros, c'est un ennemi qui me balance un missile et c'est à moi de balancer un leurre. Et le leurre, c'est pareil, il y a un petit temps entre chaque leurre qu'on peut poser. Donc il faut faire attention à ne pas balancer des leurres inutilement. Bon, après, quand on a un bon bouclier, qu'on fait attention à son bouclier, et ben ça va assez vite. Mais par contre, il se peut qu'il y ait des anti-boucliers qui font que la barre de bouclier passe à zéro d'un coup d'un seul. Donc toujours rester observé un petit peu son bouclier de façon à pas se faire avoir bêtement. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai 5-6 vaisseaux ennemis. Si d'un coup j'avais plus de bouclier, bah, c'est comme par hasard le moment où ils vont m'attaquer le plus. Et comme j'aurais pas de bouclier, bah, ma vie va descendre très très rapidement. Donc on alterne bouclier, laser, tourelle, laser, tourelle, laser pour casser le bouclier, surtout quand on n'a plus de missiles comme l'AG, et tourelle. Vous voyez là par exemple, je m'occupe même plus des missiles qui me sont envoyés, bon, sauf une fois de temps en temps, mais je peux me prendre 2-3 missiles, il n'y a pas de... Enfin, même plus que 2-3, ça posera pas de soucis. Voilà pour cette première partie, je reviendrai à vous juste pour vous donner les résultats, pour vous montrer les résultats ici. Et comme ça, je vous montre la deuxième partie juste après. Alors, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas trop méchant. Ou ça a bugué, je sais pas. Toujours est-il que les résultats sont
Hop, est-ce que je peux? Ouais. Sont de 109, 119, 122 et 4,158 en argent. Ah bah, vous voyez, j'en gagne encore. Donc, je suis pas en bug. C'est moi, j'ai dû me tromper dans mes touches. Et au moins, ça permet de voir que mon équipe est encore en train de se battre. Alors que je suis plus avec eux, je suis même très loin d'eux. Voilà. Pas terminé. Donc il faut que je retourne dans un système, n'importe lequel. Je vais aller dans Coneria, ça tombe bien. Et donc, vous voyez, 138, 119, 122. Ça, c'est ce qu'on gagne quand on fait un raid. Donc ça reste super intéressant. On fait 3 raids et hop, on peut se construire une base ou n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Allez, canavo! J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien.